Salut à tous, c'est Cyanure et bienvenue dans la suite du playthrough de Mass Effect 3. Et donc, suite du playthrough de Mass Effect 3, alors qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Ouais, je vous dirai après ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Eh bien, si je me rappelle, oui, on est allé sauver l'amiral Corys, hein. Je vous rappelle que les Cariens sont en guerre contre les Geths. L'amiral Corys, qui est le seul amiral Carien qui était contre la guerre, enfin, du moins pour une solution beaucoup plus pacifique, genre dialoguer avec les Geths, en fait, s'était crashé sur Rannoch, et donc on a été les premiers humains, parce que j'étais avec Ashley, et le premier Tourien avec Garrus, à se poser sur Rannoch, à mettre le pied sur Rannoch après quasiment 300 ans d'exil des Cariens, et on a réussi à récupérer Corys qui malheureusement a dû abandonner tout son équipage, enfin tous ceux qui s'étaient écrasés avec lui, pour rejoindre la flotte civile, et tant mieux puisqu'au final, grâce à son aide, la flotte civile ne fait pas n'importe quoi, et j'ai encore des alliés parmi les Cariens qui ne veulent pas de la guerre. Et c'est un petit peu le but, c'est au moins d'arrêter cette guerre en évitant de massacrer tout le monde. Surtout que les Cariens sont loin d'être en position dominante vis-à-vis des Geths. Voilà, c'est ce qui s'est passé, sinon rien de neuf. Alors aujourd'hui je vais être franc. Je vais être très franc parce que on fait la mission Geth donc. Bon, on va y avoir discussion installée et tout. La mission Geth, je vais être très sincère, au niveau gameplay, gameplay, phase d'action, tout ça. C'est sûrement la mission la plus nulle du jeu, voire de la série. Franchement, il s'y passe rien, on se bat pas, hein, complètement. Ils nous font croire qu'il va se passer des trucs, il ne se passe rien. Ceci dit, ne crachez pas tout de suite sur la vidéo et sur la mission, puisque elle a un grand, grand, grand intérêt vis-à-vis de l'histoire du jeu, de la révolution Geth, de l'exil carien, donc hein, vu que les deux vont plus ou moins ensemble, du rôle des Cariens dans la guerre et tout machin. Elle est très intéressante au niveau de l'histoire et du background du jeu, et de Légion aussi. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau gameplay, il va pas se passer grand chose, donc je vais peut-être l'accélérer sur certains passages, vous verrez bien comment je vais me démerder. Alors je vais regarder mes points, rien de nouveau, j'ai toujours... mes points de multi, alors mes points de multi sont là aujourd'hui, il y en a combien? 5300, 5300, donc si je diminue ça fait 9900, ouais si je prends la force militaire totale, hein. 9900, moins 5000, ça fait 4900, c'est bien. Oui, j'appuie sur retour. Elle, rien de nouveau à me dire? Merci de nous avoir aidé. Ah si, bah oui, je l'ai aidé, j'ai quand même fini sa mission. Y'a pas de quoi. De rien, Corys est un allié. Malgré nos désaccords, l'amiral Corys est un excellent officier. Il pourrait bien sauver la flotte civile. Il va, j'espère. Que voulez-vous? Tout ça, je te l'ai déjà demandé. Sauf peut-être la flotte civile, il y a peut-être du nouveau vu que Corys est revenu. Parlez-moi de la flotte civile. Ce sont nos vaisseaux civils, médicaux et agricoles. À nouveau commandés par l'amiral Corys, grâce à vous. Eh ben oui. En temps de paix, c'était le gros de la flotte. Ouais, voilà, ça, elle l'a déjà dit. Je vais vous laisser reprendre le train. Merci. Il y a juste ce dialogue sur Amiral Corys qui a changé. Légion, je suis pas sûr qu'il ait grand chose de nouveau à me dire vu qu'il s'est rien passé. Non, il s'est rien on passé. On parlera plus tard. Nous resterons. J'ai pas fait la mission Geth donc j'imagine qu'il va pas réagir. Par contre, il est possible que Taïr réagisse, surtout normalement elle n'est pas en train de regarder sur son Omnitech. Prête à frapper la base des moissonneurs à votre signal. Ah oui, il y a ça aussi, oh là là, j'ai oublié d'en reparler. Ouais, bah non, elle a rien à dire, Taïr. On se revoit plus tard, Taïr. T'inquiète pas, tu seras. Ouais. Oui. Donc autre chose, quand on a fini la mission Carien, les Cariens nous ont mis au courant de quelque chose, donc j'en parlerai plus à la fin de l'épisode. Mais on a trouvé où était la base des moissonneurs sur Rannoch, donc dans un coin, ça n'a pas d'importance. C'est par là que les moissonneurs contrôlent tous les Geths, donc ils ont un programme ou je ne sais quelle connerie qui permet de contrôler tous les Geths dans cette base. Et donc on va y aller avec un peu d'aide, puisque les Cariens nous ont fabriqué un canon qui me permet de dire aux Normandies, et notamment à Idea et Joker, où c'est qu'il faut tirer. Donc c'est super pratique, il suffit que je leur indique un point précis sur la base, notamment les serveurs ou je sais pas quel truc qui permettent de contrôler les Geths, et eux débarqueront avec le Normandie et raseront tout ça. Il y a des messages non lus sur votre terminal privé. Je vais le faire, mais avant on va discuter. L'amiral Corys a remis la flotte civile en position. Juste à temps. J'espère qu'on pourra aider les Cariens. Rien qu'à les voir, c'est notre sort si nous échouons. Non, si on échoue, on est vraiment dans la merde, nous. Oh oui, nous réussirons. Les Cariens, faut avouer qu'ils avaient la porte de sortie, on va vivre comme des nomades. Là, si on perd contre les moissonneurs, ça servira à rien de vivre comme des nomades. On se fera massacrer. Mon cousin dorme. Navel, votre... Wouah, c'est quoi ce nom? La flotte civile est reconnaissante que vous n'ayez pas rendu notre ami... que vous nous ayez rendu notre amiral. Je pleure ceux qui sont morts, mais Alcoris a empêché de nombreux vaisseaux de survoler et canons guettes prêts à tirer. L'amiral a dit que vous avez rencontré mon cousin Dorn. Ah oui, c'est celui qui est mort là, qui disait qu'il n'était pas pour la guerre et tout. C'était un pauvre ingénieur qui avait rien demandé.
D'accord, donc son cousin me remercie. Lee Riley. Mon escouade défend toujours le réacteur sur Sion et Moissonneur semble s'entêter à le reprendre. D'accord. Ça c'est juste la fille que j'ai vue dans une mission N7, donc sur les maps multi, hein, je vous montre pas qu'elle a eu une promotion. Et donc qui continue de défendre la base, c'est une mission dans un réacteur en fait, on doit redémarrer un réacteur. Et Moissonneurs veulent s'en emparer de ce réacteur. Les combinaisons des cariens vont plutôt bien. Ils pourraient peut-être vous en fabriquer une, non? On en a avec des exosquelettes médicaux de protection. Il y en a même avec des bandes sportives. Puis c'est débile. Alors, c'est quoi le problème? C'est comme se trimballer en armure lourde. Ça tue mon sens de l'orientation spatiale. J'ai une armure lourde, et mon sens de l'orientation spatiale va bien. Vous avez craché votre dernière navette. Il me faut tout mon équilibre quand je pilote. Je veux sentir le vaisseau bouger avec moi. Sans ça, je sais pas. Ça va, mais je ne suis pas vraiment moi. Ouais, j'ai compris. En plus, vous avez vu Tali? J'ai pas les hanches pour porter une tenue pareille. Oui, non mais, il y a des tenues... Alors là, les deux... enfin, alors c'est vrai que Joker, je sais pas, c'est bizarre que dans le futur, il n'y ait toujours pas des tenues pour supporter les gens qui ont des maladies de zone verte. Bon, ceci dit, il a dit qu'il n'en voulait pas. Par contre, là où se trompe complètement James, c'est que les tenues cariennes, c'est pas fait pour les soutenir ou quoi que ce soit. C'est simplement des... Bon, ça fait armure, mais c'est aussi surtout pour les protéger du milieu extérieur. Pour pas qu'ils tombent malades. Apparemment, il ne suffit pas de mettre un gros canon sur un vaisseau agricole pour en faire un cuirassé. Surprenant, non? Vous pensez vraiment que c'est une mauvaise idée? Bah oui. Non, c'est pas idiot, mais sans blindage, ces vaisseaux sont des proies faciles. C'est complètement sans débile. Sans compter qu'ils attirent l'attention. Les guettes auraient probablement ignoré les vaisseaux civils s'ils n'avaient été bardés de canons. Ah, la stratégie. C'est quoi ce plan qui consiste à utiliser des civils et des enfants pour attaquer une planète? Enfin, j'espère que l'amiral Corys saura les protéger des guettes. Et de même. Ouais, tu m'étonnes. Yann Garel a quand même foutu tout son peuple dans une sacrée merde. Qu'est-ce qui se passe, Idéa? J'aide l'ingénieur Adams à réparer le bouclier du réacteur. Ah bon? Alors je te laisse t'en occuper. Je m'en vais. Nous pouvons parler si vous voulez, Shepard. C'est une procédure de... Oh oh. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Rien. À moins que vous soyez passionné par les rayons gamma. Idéa, c'est pas drôle. J'ai failli vous avoir. Non. Il faudra que je règle mon temps de réponse humoristique plus finement. Ok. Bonjour Shepard. Flippant. Commence à faire des blagues, ça devient flippant. Rayon gamma, un peu plus, on avait Hulk à la place d'Adams. Ça aurait été pratique. Ça aurait pu me faire une armée. Lui tout seul. Bon, qui d'autre? Ah, j'avais gagné un plastron. Oh, je suis con. Je suis bête. Pas besoin de le faire là, suffit de le faire dans la soute. Dans la baie d'Amara, je veux dire. C'est la soute, quoi. Bah, on va pas jouer sur les mots, j'ai raison, c'est la suite. Oui, bonjour. J'avoue avoir apprécié cette dernière mission sur Hanoï. Ouais, t'as pu te faire plaisir. Hey, mettez-le face à une tour de brouillage sans défense, et Esteban se prend pour un dieu. Ouais, il l'a atomisé, hey, ceci dit. Le Kodiak est une navette, pas un chasseur. Il sert à larguer des cruches dans ton genre sur les points chauds. Oh. Et si tu apprends le respect, il pourra même continuer à t'en sortir. Oh. Cortez est un rebelle. Est-ce que tout va bien, je sais pas? Oui, moi ça va. Actuellement ça va là, franchement, à part peut-être le coup des furies à Sari, on est plutôt bon dans cette guerre là. Oh moi, l'enculé. Attendez, j'en étais sûr. Quel salaud. Hop. Je suis sûr qu'il peut continuer à me parler. Bon, on va vérifier ça. Bon. Rien de nouveau ici. Ah, j'ai combien d'argent? Ouh, je vais peut-être pouvoir aller m'acheter la veuve. Si j'améliore rien, je peux peut-être m'acheter la veuve. Ah oui, il faudrait que j'aille à Citadel aussi parler avec pardon, avec Zed, qu'on avait retrouvé à la Citadel. Et qui allait bien. Qui allait plutôt bien. À part que c'était étrange, il bossait pour des espèces de mercenaires, il était contre Cerberus. Enfin, c'était... Oh, j'avais qu'il n'est pas là. Il commence un peu trop à sortir de sa boîte, lui. Hein. Il prend goût, je pense, à voir du monde. Tout est nickel de mon côté. Cool. Mais tu tiens? Shepard? Ouais, Hulk, ça va? Rien à signaler, commandant. D'accord. Bon, on va pas aller voir la journaliste. J'ai vraiment pas envie de la voir, elle me gonfle. Si, quoique, elle serait là. Ah, oh, il y a un guette dans le vaisseau, je veux lui parler. Ah, oh, machin, ta gueule. Ah, bon. Quoi de neuf? Quoi de neuf à cet étage? Ici, rien. Ici. Coucou, Ashley. Vous avez fait le bon choix, commandant. Quel bon choix. Ça m'a fait réfléchir aux avantages d'avoir un grand chef. De sauver Corys. Et au nombre de vies qu'il faut parfois sacrifier pour protéger les leaders les plus inspirés.
J'espère ne jamais devoir le vérifier. Ouais, bah un peu plus et on butait Udina. Du bon boulot, commandant. Eh, j'ai buté Udina, toi t'as rien fait. T'as même pas réagi. Tu m'as déçu, là, chez eux. Mais où est Javik? Non. Redistribuer pouvoir, ça je sais pas ce que c'est. La merde. Ça se trouve en fait ils ont pas bougé, il est toujours en train de discuter avec Garus dans la salle de poker. Enfin de détente ou de je sais pas quoi. On va voir si Garus est pas là. Papa. Merde. Papa, t'es là? Réponds. Vous êtes où? Quoi? C'est grave? Papa, il faut que vous partiez de là. Esprit, si vous existez vraiment, protégez-les. Laissez-moi les revoir. Eh, hey, c'est triste. Je suis content d'avoir aidé les Cariens. Même si on n'a rien pu faire pour certains. Mais la perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Dame, c'est triste ce qui vient de se passer. J'espère qu'ils ont évacué, c'est con. Bon sang. Bon, bah je sais pas où est Javik alors. En attendant. Peut-être là, il est peut-être avec Lara. Une nouvelle notification est disponible sur le terminal des messages privés. Bah non, il n'est pas là. C'est-à-dire. Liste des achats liste des achats récents de Z. Des grenades, des balles, des médigels, du carburant pour lance-flammes. Du blindage, des rations militaires, des kits de réparation d'armes, du whisky et des pièces de fusil. Il part à la guerre, Z. Ravi de vous revoir, Shepard. On ne parle jamais. Ça me fait chier. J'aimais bien l'époque où on discutait. Ouais, Javik. Je suis sûr qu'il a enfin atteint les toilettes. Ah bon. La salle de taille, peut-être. Mais merde, où est Javik? Merde, attendez, il y a une couille, on a perdu Javik. Noyau IA, ah bah non, il était là-bas. Ce mec commence à se battre, ça se trouve il veut débrancher IDEA. C'est un malade lui, il déteste les robots. Putain. Pourquoi je me mets à courir? Mais les synthétiques n'évoluent pas, ils sont limités par leur programmation. Rien ne change. Ce n'est pas exact. Je peux modifier ma propre programmation si besoin est. Ça c'est vrai. Ce n'est pas l'évolution. C'est une amélioration. Une amélioration est une évolution. Je choisis ma manière d'évoluer. Et si votre amélioration met autrui en danger, toutes les machines finissent par voir les organiques comme une menace. Seulement ceux qui me seraient hostiles. Mon droit à la légitime défense ne nuit à personne. Quel droit avez-vous? Vous n'êtes qu'un outil. Et quel droit avait votre espèce pour dominer les autres races de votre cycle? Ouh, ça s'énerve. Vous les avez réduits en esclavage. Oh! Elles étaient plus faibles. Nous les avons dominées. Notre espèce a assumé sa place dans l'évolution. Ouais, puis vous avez perdu, quoi. On se calme, vous deux. C'est incroyable. Pourquoi t'es en petit mode? Vous confiez la vie de votre équipage à cette machine. T'as vu? Idea nous a sauvé la vie un nombre incalculable. Eh mec, arrête de faire ça, c'est ridicule. Bon, vous n'êtes pas d'accord, très bien. Maintenant, concentrons-nous sur la vraie menace qui n'est pas sur ce vaisseau. Oui, commandant. Comme vous voudrez, commandant. Bitch. Bah, il a pas tort, c'est vrai que les robots n'évoluent pas, parce qu'une évolution ça vient généralement pour répondre à une contrainte environnementale, c'est pour survivre. Là, IDEA c'est pas vraiment une évolution, c'est-à-dire si elle a envie de se rajouter, je sais pas, 30 gigas de mémoire, elle le fait, mais ça va pas plus l'aider à survivre. Mais ça peut. Donc finalement c'est assez tordu comme histoire. Bon, je vais faire un tour dans la galaxie à la citadelle. Donc petite coupure. Et puis je vous retrouve de toute façon à la citadelle pour discuter avec Zaed. Et puis ensuite on lancera la mission des guettes. Allez, à tout de suite. Ok, well. Voilà. Zaed est là, tiens, je le vois. Je me suis rendu compte que j'ai pas changé d'armure. Et j'ai pas assez pour m'acheter un veuve noire, il me manque 2000 crédits. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Rien, rien. Qui parle? Bah, Zaed, on discute pas. Je me demandais si vous viendriez, Shepard. Je me disais que vous seriez sûrement trop occupé à lever des armées pour cette guerre que vous menez. Un peu d'aide supplémentaire ne serait pas de refus.
J'en suis sûr. J'ai vu ce qui s'est passé sur Terre, en vidéo. Ah. Bon, je vais voir si de vieux contacts sont encore dans le coin. Cool. Et je vous promets rien, mais si j'en trouve assez et qu'ils tiennent encore debout, je pourrais vous aider. Ouais, c'est sûrement des vieux. Vous connaissez le chef actuel des Soleils Bleus ? Vosk ? N'en parlez pas. Ce crétin a ouvert sa gueule en pleine mission de patrouille un jour. La moitié de son unité s'est fait tuer. Il a pas beaucoup de fans depuis. Oui, c'est vrai que... On l'a chassé aussi vite qu'on a pu. On aurait mieux fait de le déloger de son trône d'une balle dans la tête. C'est vrai que c'est... Il avait voulu tuer le chef des Soleils Bleus dans Mass Effect 2 et on avait... Pour sauver des civils, on... Vous connaissez le chef on avait échoué. Des Soleils Bleus. Oui, je lui ai déjà demandé. M'en parlez pas, hein. Il a parlé une fois en pleine patrouille et tout. Tout le monde est mort. Bon, ben, je vous retrouve dans le vaisseau, il faut que je change d'armure et puis ben, j'aurai pas la veuve noire, c'est pas grave. Hein. Pour cette mission, c'est pas grave, je la veux pour la prochaine. Hop, donc nous y voilà. Donc j'ai parlé avec Zed, qui avait finalement rien à dire, qui a juste rejoint mes ressources de guerre. J'ai rendu quelques missions qui m'a donné un petit peu d'argent, un petit peu de réputation, un petit peu de ressources de guerre aussi. Et donc aujourd'hui, on a dit, on fait la mission des guettes avant de s'attaquer à la base des moissonneurs, dans le prochain épisode. Je vous en parlerai à la fin de celui-là. Enfin, de ce double. Et donc, ben pour la veuve noire, il me manque 2000 crédits, donc j'espère les récupérer à la fin de cette mission. Pensez à ne pas les utiliser et aller m'acheter la veuve noire. Alors, je vais essayer de faire cette mission rapidement pour retourner à la citadelle à la fin de cet épisode et faire les dernières discussions qu'on a vraiment dit. Donc, vous aurez eu deux fois des discussions... C'est ça. Vous aurez eu deux fois des discussions dans cet épisode, mais c'est pour avoir le champ libre pour faire la fin de la guerre Carienne-Guette, puisque c'est l'équivalent de la fin du génophage hein, qu'il y avait eu. Alors, pour aller sur ce serveur, on va prendre Javik. Deuxième tenue est moche. Allez, pour le lol. On va prendre Javik et... Alors, on va y aller avec Légion. Lui, il supporte pas les robots, ce serait vraiment fun de... Allez, on va lui remettre sa non-tenue. Hein. On va aller avec ces deux-là. Tiens, oh, ils vont bien s'entendre, ça va être beau. Ils vont pas trop discuter. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir, cette mission est très spéciale, mais au niveau de l'histoire, elle est cool. Oui, j'ai le javelot, j'avais remarqué. C'est de la merde. Le Vindicator aussi, c'est de la merde. Je m'en rends compte. Phaeton aussi, c'est nul. Oh là là, mais je vais me battre à l'Avenger. Mais de toute façon, cette mission, enfin, vous allez voir. Je critique le gameplay, c'est pas pour rien. Ouais, garde ça, toi. Pidea, Aigle 5. Shuriken 5. On n'a pas des meilleurs pistolets pour toi, non? Non, je veux dire Aigle. On a le Phalanx. C'est le Phalanx. Ça sert à rien, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me rendre compte. Vous allez comprendre. Hop, je vais leur mettre leur pouvoir quand même, parce que c'est bien de les mettre. Putain, je suis level 53. Et ben, Nova, j'ai décidé de ne pas l'augmenter sauf en dernier, donc tout le commando reçoit des munitions cryo efficaces. À 50%. Sauf moi à 100%. 7 points ben, dans la matrice défensive, hein, diminuer les dégâts reçus de 5%. Augmente la régénération du bouclier, ça peut être bien aussi. Et puis 3 points ben, dans l'heure. Hein. Je sais pas, le leurre me gêne parce que même moi en fait il me gêne quand elle le met. Grenade de lévitation c'est super puissant. Et puis télékinésie parce que c'est un pouvoir fun, allez. On voit qu'on arrive vers les hauts levels, hein. Ils ont quasiment tous leurs pouvoirs qui arrivent vers le maximum. Moi aussi. Oh, c'est des méchants. Compris, Amiral Rahn. Nous sommes presque au serveur. Tenez-nous informés. Situation. Les guettes ne nous ont toujours pas repérés. Une fois dans le serveur, la situation sera sans doute différente. Ah. Dans le serveur, il fait quelle taille? Vous m'avez mal compris. Une interaction virtuelle directe est nécessaire pour éliminer les guettes du serveur. What? Vous devez pénétrer dans le consensus. Vous Quoi? Voulez que j'ai une interaction virtuelle avec le guette? Théoriquement, une telle connexion est possible. Mais c'est très inhabituel. Ouais, attends, j'aimerais comprendre le principe. Une interaction virtuelle avec les guettes, c'est-à-dire quoi? Parler sur Skype? Ou par... Enfin... What? Je suis pas une machine. Je peux pas entrer dans un monde virtuel. Cerberus a mené des recherches sur les interfaces guettes humains. Le projet Suprématie. Nous avons surveillé leur transmission.
C'est un DLC du 2 d'ailleurs. Nous avons amélioré l'interface en utilisant l'équipement du Normandie. Nous vous demandons de nous faire confiance. Les gens quand même. Vous auriez tout de même pu me parler de ce plan avant qu'on quitte le Normandie. Surtout que tu utilisais les ressources du Normandie. Hein. Mais votre présence est indispensable. Le serveur ne détecte pas les présences organiques. Nous allons créer une diversion dans le système. Pendant ce temps, vous éliminerez les guettes du serveur pour neutraliser les escadrons. Ok, l'idée me plaît, mais... Si ça peut sauver les vaisseaux agricoles, faut essayer. J'ai pas changé d'armure, hein, j'ai rien trouvé. Les données télémétriques de cette opération indiquent de fortes chances de succès. Ah bah c'est cool. Le temps presse. Atterrissez. Nous allons contourner la sécurité. Ok, Attendez, vous allez pas faire ça. Les gens, on est à 200, 300, 400... Bon, ok. Bon, on va se poser près de cette falaise. Comme c'est pratique. Lui, il a un veuve noir. Ah, oh, je le veux. Donc là, jusqu'ici, c'est pas très clair. Il faut qu'on rentre dans un monde virtuel, dans le consensus get. Hein, c'est là où c'est leur espèce de... C'est là où tous les gets sont reliés entre eux. C'est l'imaginaire get, c'est la conscience get. Et donc il faut qu'on rentre là-dedans et qu'on bute les méchants get, ou j'ai pas très bien compris quoi. Enfin bon. Vous allez voir. Pendant qu'eux font diversion, pendant que mes potes font diversion. En gros j'y vais tout seul. C'est très bizarre comment voir. Il y a un guet mort là. Les gens ont dû déjà arriver. Ah, il y a des guet morts. Les gens ils rigolent pas. Ok. C'est sympa ici, hein, vraiment. C'est... Ok. Les gens ont fait flipper quand même, hein, quand ils veulent. C'est tout? Oui. Les escadrons de chasseurs guettes hostiles sont reliés à ce serveur. Ah oui. En raison des ressources limitées, il vaut mieux vous connecter seul. Avec ta boîte là. C'est un peu Matrix ton histoire en fait, hein. Ça marche. Initialisation de l'intégration réseau. Rendez-vous au port d'embarquement. Ok, cette boîte me fait quand même très très peur, Légion, hein. Ça fait un peu scaphandre. Je sais pas si ça supporte très bien un humain. Recherche du consensus, ne bougez pas. Ouais, enfin... Administrateur Shepard, ne bougez pas pendant le téléchargement. Je ne comprends pas un traître mot de ce qui se passe. À part que ça fait boudiou, boudiou, boudiou. Oh. Administrateur Shepard, votre intégration est terminée. Bienvenue dans notre consensus. What? C'est quoi ce truc? Bon, ouais. Nous avons installé des filtres pour vous permettre de visualiser les données brutes de ce serveur sous la forme d'un environnement familier. Ouais, enfin familier, c'est un grand mot, hein. Familier, c'est vite dit. Où êtes-vous? Ce que je viens de dire. Ici. Okay. Vous avez l'air différent. Nous avons modifié notre apparence pour faciliter votre adaptation. Et les guettes qui sont déjà sur le serveur? Les guettes vous apparaîtront sous la forme de vidéos de sécurité, de fichiers audio ou d'archives de capteurs. Sur ce serveur, les corps physiques nous sont inutiles. Je vais me faire attaquer par des vidéos. Seul notre guette n'est qu'un outil. Notre monde est ici. Plus nous tuerons de guettes, plus il sera sombre. Je comprends plus rien. Et si on éteint toutes les lumières, que se passera-t-il pour les guettes dans le monde réel? Les chasseurs guettes communiquent avec leur vaisseau mère grâce à ce serveur. Nous allons couper cette connexion. Il n'y aura ni transfert ni sauvegarde. Ce serveur sera réduit au silence. Ah d'accord, ça c'est pas tout le consensus guette, c'est que le serveur là. Parfait, le plus tôt sera le mieux. Ok, il faut détruire les méchants oui, guettes. La vie des créateurs est en danger. Pas tous, parce qu'ils sont tous méchants, mais au moins ceux-là. Il y a deux terminaux de stockage sur ce serveur. C'est nous bizarre. Nous devons les désactiver pour neutraliser les escadrons. Les trucs jaunes là, c'est un peu space. Nous devons rester ici pour protéger la sortie. Mais nous pourrons vous aider à distance. Ok. Ok.
Et donc là, je n'ai pas d'arme, hein, j'ai juste cette espèce d'arme que m'a donné Légion, j'ai même plus de bouclier, c'est plus la peine. Donc vous allez voir, voilà, là, le gameplay c'est ça, ça va être très space, je vais vous montrer pendant 4-5 minutes. C'est très très space, très très bizarre, assez mal foutu et assez relou. Donc je vous montre ça, et puis après je pense que je passerai les séquences où il se passe rien, et je vous montrerai que les séquences importantes, parce que vous allez voir quand même, il y a quelques séquences importantes. Je vous montre le début de la mission quand même pour le fun. Mais vous allez comprendre que c'est très bizarre. Donc en fait voilà, j'avance, tout simplement. Dans un monde très étrange, avec des dalles qui se forment devant moi. Et what the fuck, Isaac. Connexion bloquée par du code infecté. Employez notre logiciel de combat pour neutraliser l'infection. Je me demandais à quoi servait le flingue. J'adore la réplique. Donc ça c'est du code de moissonneur, donc qui est beaucoup plus intelligent que vous voyez. Là vous voyez c'est tout carré, c'est quand même plutôt bien foutu. Là c'est du moissonneur, donc c'est vachement intelligent, ça se propage, c'est bordélique. Et ça me bouche le passage. Le code étranger est une manifestation du signal de l'ancienne machine. Voilà. Vous êtes surpris que les moissonneurs soient partout dans vos serveurs? Nous n'avons pas anticipé une infection si étendue. Ah. Pardon, pousse-toi le moisseau. Voilà, et en plus je pourrais manquer de balles, mais non, ça recharge. Nous avons souhaité vous fournir un équipement familier. Oh, c'est sympathique. Bien, merci. Allez. Si. Ça rentre chez toi le moisseau. Tu me gênes. Connexion établie. Continuez vers le point d'accès. Oh, il a ouvert une nouvelle page sur Google. Connexion vers le terminal de communication en cours. C'est complètement space. Erreur. Accès refusé. Ah, les moissonneurs ont pas aimé. Les moissonneurs vous refusent l'accès. Nous l'ignorons. Veuillez enquêter. Non, non, mais il n'y a pas besoin d'enquêter, regarde. Y a pas besoin d'enquêter, regarde cette grosse boule là-bas. Ça peut être que du moisseau, ça. Ouh. Et donc voilà, je vais devoir faire ça deux ou trois fois. Sans déconner. Le serveur contient du code infecté. Sans déconner. Demande d'accès pour continuer. Et donc là, le meilleur moyen pour... Le meilleur moyen pour libérer ces données, parce que ça c'est des données, c'est de dire au moissonneur d'aller se faire foutre. Comme ceci. Attends. Hop, attends. Lâche un peu les données que t'es en train de corrompre, espèce de sale crotte. J'ai passé. Et il reste celui-là. Ah, je peux courir. Bah oui, bah. C'est... Voilà. Ça devrait libérer les données. Non. Ah putain, faut que je laisse appuyer. Faut que je refasse un tour. Hop, heureusement, ça rejoint ici. Allez, on court, on court, on court, on court. Parce que c'est long et je hais cette séquence. Voilà, dégager. Plus qu'un. Et à dégager. Donc là, vous allez voir quand même l'intérêt de cette mission. C'est quoi ça? Les serveurs contiennent des données historiques. Votre connexion permet de consulter nos archives en continu. D'accord, et qu'est-ce que je vois là? Vous voulez vraiment renommer les réseaux IV? Tout à fait. La création des unités mobiles mérite bien une petite cérémonie, non? Unité 01, comment dit-on serviteur du peuple en Kélik? Je crois que le mot est Get, Father Zach. Unité 01. C'est parfait. Calmez-vous un peu, voyons. Dixit, celle qui a passé la nuit à travailler sur les circuits de 01. Oui, il fallait refaire les soudures. C'est une vieille vidéo, non? Pourquoi les cariens sont-ils masqués? Les données sont altérées par votre perception. Avez-vous jamais vu de créateurs sans masque? Si. Oui. Ah. Une. Dans ce cas, votre perception de ce créateur ne s'accorde pas avec nos données historiques. Ah, ça veut dire qu'il ressemblait pas à ça à l'époque? J'adore l'excuse pourrie. Parce que quand vous dites, quand vous avez pas fait la romance avec Tali, il vous dit, bah non. Puis il fait, bah vous les voyez tels que vous les voyez habituellement. Puis là il fait, ouais à l'époque, nous on s'en rappelle pas comme ça, il est un peu débile. Bon voilà, je vais devoir vider
Les autres nœuds, alors là il y a une petite truc qui va s'ajouter en plus, vous allez voir. Vous devez neutraliser l'infection. Je neutralise. Ah bah non. Attendez. Vous allez voir, je sais pas si c'est à ce nœud là ou tout de suite. Bon attendez, celui-là je peux le faire vite, c'est peut-être pas besoin de coupure. Ah oh, va-t'en.